et vous tous qui allez l'écouter sur les sujets de la famille, notamment sur le mariage, la PMA, la CPA. Sans parler là. Si parce que personne ne m'entend pas en fait. C'est le principe d'une interview. Non, c'est bon, vous êtes en direct sur tous les réseaux sociaux, monsieur. Oui, mais non. Ben si, monsieur. Bah, enfin, assumez vos actes, monsieur. Sortez, non, je sors pas. C'est un lieu public, on a le droit d'être là, monsieur. Et nous venons vous interpeller, ainsi que monsieur Juppé, au sujet des thématiques du mariage, de la PMA, de la GPA. Monsieur Juppé a dit qu'il était contre la GPA et nous vous invitons à l'interpeller pour qu'il prenne des transitions en faveur de la famille, pour que la marchandisation de la femme n'existe pas, puisqu'il est contre. Voilà le palais des congrès. Nous avons dû ranger le magnétophone puisque nous sommes encadrés par des personnes qui ne souhaitent pas que nous puissions l'utiliser. Bravo, la liberté. On ne pourrait pas interpeller M. Juppé sur la famille, sur l'aviation. Est-il facile que cette filiation soit respectée, non décidée pour l'adoption et la PMA, la GPA? Il est contre la GPA. Que propose-t-il pour lutter contre cet esclavage moderne, contre cette marchandisation du corps de la femme? Il est contre la PMA. Ne laissez pas ce sujet être absent de la primaire. Bonsoir Bordeaux, bonsoir Amine Tancheri, Bordeaux, notre ami. Merci à vous tous d'être aussi nombreux ce soir. Il faut faire aussi une action déterminée en faveur des familles qui ont été maltraitées par le gouvernement en place depuis 2012. Je pourrais allonger la liste des griefs que nous pourrions faire à ce désastreux quinquennat, 5 ans de perdu pour la France. Mais c'est tellement évident. Les Français le ressentent de façon tellement claire que je ne m'attarderai pas davantage.